Une publication tout à fait inhabituelle dans la collection Que sais-je, qui décidément cherche à faire peau neuve. C'est un petit volume, par définition, que l'on doit à Thomas Legrand, qui est éditorialiste à la matinale de France Inter, et Laure Vatrin, et qui s'appelle Les 100 mots des bobos. Alors, c'est non seulement une étude sociologique tout à fait passionnante, mais en même temps, je vous assure, on sourit, voire on rit. Et ça se présente sous forme d'un lexique par ordre alphabétique, avec aussi bien des notions, des mots, des personnages qui procèdent de l'univers de ce que l'on appelle les bobos. Donc je pense que, et ceux qui peuvent se sentir bobos et ceux qui ont un regard critique sur les bobos se régaleront avec ce petit volume qui ne coûte que 9 euros, mais qui donne un grand bonheur de lecture, Les 100 mots des bobos, collection Que sais-je, au PUF, bien sûr.